أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار أيها الإخوة الكرام إن شاء الله عز وجل تكلمنا عن علامات الإخلاص وقلنا أن علامات الإخلاص ثلاث علامات ظاهرة لا بد للمسلم أن يعلمها وأن يعرفها لكي يزن نفسه هل هو من المخلصين أو هو من غير المخلصين فقلنا أول علامة تدل على الإخلاص ألا وهي استواء عمل السر مع عمل الظاهر استواء عمل المسلم الذي يعمله في السر بينه وبين الله والعمل الذي يعمله أمام الناس أو بمحضر من الناس العلامة الثانية من علامات الإخلاص ألا وهي السرور والسكينة التي يجدها المسلم في قلبه بعد العمل الصالح المسلم إذا عمل عملا لوجه الله لا بد أن يجد سكينة وطمأنينة وفرحا وسرورا في قلبه هذه علامة يستشعرها كل مؤمن مخلص لوجه الله عز وجل العلامة الثالثة من علامات الإخلاص ألا وهي ألا يلتفت المسلم المخلص لمدح الناس وألا يلتفت لذم الناس فإذا مدحه الناس لا يعطيه ذلك شيئا ولا يدفعه لزيادة العمل وإذا ذمه الناس لا يمنعه ذلك من العمل فهذه ثلاث علامات ظاهرة من حققها في حياته فقد حقق الإخلاص بإذن الله عز وجل إن شاء الله mes frères hier on a parlé sur les signes de la sincérité Comment le musulman sait qu'il est sincère avec Allah Azza wa Jal dans tout ce qu'il fait comme acte d'adoration. Les savants, ils ont dit le premier signe de quelqu'un qui est sincère avec Allah, c'est que le musulman, il fait des actes en secret, pareil comme il fait des actes en public. S'il prie en public, en groupe, à la mosquée, aussi quand il se retrouve seul avec Allah, il prie et il embellit sa prière. S'il donne des sadaqas devant les gens en plein public, aussi ce musulman, il sort sadaqa quand il se retrouve seul que lui et Allah, Azza wa Jal. S'il parle d'Allah, il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lit le Coran devant les gens, aussi quand il se retrouve seul, il lit le Coran pour Allah, Azza wa Jal. S'il est gentil, il se comporte avec gentillesse, avec amour, avec les gens, avec ses amis, avec ses copains, aussi avec sa femme et avec ses enfants à l'extérieur, à l'intérieur de la maison, il se comporte avec gentillesse et avec miséricorde. C'est celui-là, Al-Mukhlis. Ça c'est le premier signe. Le deuxième signe de quelqu'un qui est sincère, le sincère avec Allah Azza wa Jal, si les gens le remercient sur ce qu'il fait, ça ne fait rien dans son cœur. Il continue son travail tout le temps. Et si les gens le critiquent, il essaie de lui faire des remarques et des reproches, ça ne lui fait rien dans son cœur, il continue son travail. Lui, il travaille pour qui? Pour Allah. Il adore qui? Il adore Allah. Il cherche quoi? Il cherche la satisfaction d'Allah Azza wa Jal.
Ça veut dire les compliments, ils ne vont pas l'arrêter. Et les critiques, les compliments, ils ne vont pas lui pousser à augmenter son travail. Et les critiques, ils ne vont pas arrêter de faire son travail. Lui, son cœur est attaché à Allah. Il cherche à gagner la récompense d'Allah Azza wa Jal. Troisième chose, c'est que le sincère, quand il fait l'acte d'adoration, il sent une sérénité et une tranquillité et une joie dans son cœur. Le musulman qui est sincère, quand il prie par sincérité, il prie pour Allah pendant la prière et à la fin de la prière et avant la prière, il va sentir une joie dans son cœur. Il va sentir une sérénité et une tranquillité dans son cœur. Par exemple, imaginez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a dit dans un hadith, il a dit, la joie de mes yeux, c'est la prière. La prière, c'est la joie de mes yeux. Quand je prie, c'est vraiment le degré, le top degré de la joie, c'est quand je fais la prière. Pourquoi ? Parce qu'il fait cet acte d'adoration pour Allah, et la prière, c'est le pilier de l'islam, c'est parmi les grands actes d'adoration. Alors, quand il est en train de prier, il est joyeux, il est heureux, il est tranquille. Pourquoi ? Parce qu'il est sincère dans sa prière. Kadhalik, le musulman qui est sincère, s'il prie, quelqu'un il prie, mais il est stressé. Après la prière, il est stressé. Avant la prière, il est énervé. Après, la prière, il n'est pas tranquille. Il vient à la mosquée, il est énervé. Il sort de la mosquée, il est énervé. Est-ce que son acte, ça donne une preuve qu'il est sincère avec Allah Azza wa Jal? Le sentiment qui sont dans son cœur, c'est une preuve qu'il n'était pas sincère avec Allah. Parce que si tu fais la prière pour Allah, si tu jeûnes pour Allah, si tu donnes pour Allah, si tu aimes pour Allah, si tu détestes pour Allah, chaque acte que tu fais, tu vas sentir la joie et la tranquillité et la sérénité dans ton cœur. Allahu Shakur, il y a un nom parmi les noms d'Allah, Allah le reconnaissant. Allah, quand il voit son serviteur, il fait l'acte pour lui, il est sincère, Allah, sur le champ, il va te récompenser, sur place. La récompense qu'il va te donner, il va rentrer la sérénité dans ton cœur. Parce que la sérénité, c'est un don d'Allah, Azza wa Jal. As-sakina, hiya ata'un min Allah. Tu ne peux pas trouver la sérénité. Le seul qui peut te donner la sérénité, c'est qui? C'est Allah. Et la sérénité, Allah, il va la rentrer dans ton cœur. La sérénité, il rentre dans le cœur. Allah Ta'ala yaqul, fi al-Qur'an al-Karim, huwa alladhi anzal as-sakinata fi qulubi al-mu'minin. Huwa alladhi anzal as-sakinata fi qulubi al-mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. C'est lui qui a rentré la sérénité dans les cœurs des musulmans. Pourquoi ? Afin qu'ils augmentent leur foi. Afin qu'ils augmentent leur foi. Falidalik, le musulman qui fait l'acte d'adoration, il ne sent pas cette sérénité, il ne sent pas cette joie, il ne sent pas cette tranquillité, il doit s'arrêter et réfléchir. Il doit corriger son intention. Il doit vérifier dans son cœur. Est-ce que je fais l'acte pour Allah ou bien il y a quelque chose? Sûr et certain, il va trouver quelque chose qui bloque cette sincérité de rentrer dans le cœur. Il y a quelque chose qui empêche la joie de rentrer dans le cœur. Même le musulman, même quand il est au moment d'épreuve. Il est touché par une épreuve. Mais quand il fait l'acte d'adoration, même il subit l'épreuve, il va sentir la joie. Il va sentir la sérénité. Il va sentir la tranquillité. Youssouf alayhi salam. Youssouf alayhi salam, il était en prison. Et cette épreuve, il ne l'a pas empêché de faire da'wa ilallah. Il était en prison. Il est rentré en prison par injustice. Il est en train de subir une injustice. Dès qu'il est rentré en prison, il a trouvé deux personnes avec lui. La première chose qu'il va commencer à faire, il va appeler ces des gens à adorer un seul Dieu. Qala ya sahibi sijni a arbabun mutafarriqun khayrun am Allahu al-wahid al-qahhar ma ta'buduna min dunihi
إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. La première parole qui sort de la bouche de Youssouf dans le prison, et il est en train de subir l'injustice, il sait pas, il commence pas à se plaindre à ces gens-là. Ah oui, ils m'ont fait l'injustice, et regardez, ils m'ont enfermé, moi j'ai rien fait. Non. Sadiq, le mu'min sadiq, le sincère avec Allah Azza wa Jal, même pendant l'épreuve, il ne va jamais oublier Allah Ta'ala. Au contraire, au moment d'épreuve, sa foi augmente, sa confiance augmente en Allah Azza wa Jal. Falidalik, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, aïdan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment d'épreuve, il fait da'wa ilallah. Au moment d'épreuve, il fait du'a. Au moment d'épreuve, son cœur est attaché avec Allah Azza wa Jal. فالمخلص لا يصرفه عن عبادات عن عبادة الله المصائب والبلاء ولا يشغله عن عبادة الله الفرح والسرور. Le musulman, le sincère, qui est sincère avec Allah, quand il est touché par une épreuve ou bien par une catastrophe, cette chose-là, cette épreuve et cette catastrophe, il ne va pas l'éloigner d'Allah. Et quand il est touché par la joie et par le bonheur, le bonheur et la joie, ils ne vont pas lui faire oublier Allah Azza wa Jal. Tout le temps, il est avec Allah Azza wa Jal. هذه علامات ظاهرة بينة من علامات الإخلاص والمخلصين. فلذلك, chacun d'entre nous, il essaye de se corriger. Si il ne trouve pas ses signes dans sa vie, dans ce qu'il fait, alors il y a sûrement une maladie dans ton cœur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Cherche le problème et règle-le le plus tôt possible. La budda an tabhata an maradik wa an illatik wa an sabab alladhi yamna'uka min al-ikhlas wa la budda an tusahhihahu fi aqrab waqt. Amma ba'da dhalik ba'da al-kalam an al-ikhlas, après qu'on a parlé sur la sincérité, maintenant c'est bon, le musulman il est prêt. حَسَبَ نَفْسَهُ, tu as fait vraiment un jugement correct à ta propre personne. Alhamdoulilah, tu as suivi les étapes. Maintenant, il te reste quoi? Il te reste de rentrer par la porte de repentir qui est ouverte. بَابُ التَّوْبَةِ مَفْتُوحُ, c'est bon. Il te reste que ça. Alors quand, c'est bon, il te reste même pas des mètres pour arriver. Alors là, tu vas trouver des ennemis qui veulent t'empêcher de rentrer par cette porte. Satajidu a'da yamna'unaka min dukhuli bab at-tawbah. Wa akbaru aduwin wa awwalu aduwin yuridu an yamna'aka min dukhuli bab at-tawbah huwa ash-shaytan. Le premier ennemi qui cherche à te bloquer, qui cherche à t'éloigner, à t'écarter, à te retarder d'accéder à la porte de repentir, c'est qui? C'est le diable, Ash-Shaytan. Et beaucoup, beaucoup de personnes, ils ont oublié cet ennemi. C'est-à-dire, min al-nas, malheureusement, nasu adawat Ash-Shaytan. Il faut savoir que Iblis, la'anahullah, il a déclaré la guerre contre les fils d'Adam, les Bani Adam, depuis le premier jour de la création de Adam alayhi salam. Depuis le premier jour. Lamma khalaq Allah Adam, yaqul Allah ta'ala fi al-Qur'an al-Karim, wa id qulna lil mala'ikati isjudu li Adam, fasajadu illa Iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Allah ta'ala, quand il a créé Adam, il a créé avant Adam les anges et les djinns. Iblis, huwa min al-jinn. Allah Ta'ala, quand il a créé Adam, il a donné l'ordre aux anges de prosterner pour qui? Pour Adam. Les anges, ils se sont prosternés, ils ont respecté l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Qui a refusé? Iblis. Iblis, il était présent. Parce que ce verset, dans Sourate Al-Baqarah, il y a des gens qui peuvent dire, mais Allah,
il a donné l'ordre aux anges. Il n'a pas donné l'ordre à Iblis. Voilà, le verset il est clair. Wa id qulna li. Est-ce que Iblis, min al malaika ou bien min al djinn? Iblis, c'est un ange ou bien c'est un djinn? Et on va regarder le verset, il dit wa id qulna lil malaika isjudu li Adam. Allah, il a donné l'ordre aux anges. Tous les anges, ils se sont prosternés. Qui a refusé? Iblis. Iblis, c'est un ange. Alors, est-ce qu'il a fait une faute, Iblis? Parce que l'ordre, il n'était pas pour lui. Mais il était avec eux. L'ordre, il était pour les anges. Voilà que l'ulama, ils vont bien nous clarifier ce point. L'inna, ikhtalafa l'ulama, il y a une divergence entre les savants. Est-ce que Iblis, mina al-jinn, ou Iblis, mina al-malaika? Il y a ce point, une grande divergence. Il y a deux groupes, trois paroles des savants. Des savants, ils ont dit Iblis, mina al-malaika. Ils ont dit, lui, c'est parmi les anges. Kana min al-jinn, fa asbaha min al-malaika. Il était min al-jinn, mais quand il a fait des actes d'adoration, Allah Ta'ala lui a donné le degré des anges. C'est la première parole. La deuxième parole, ils ont dit non. Huwa min al-jinn. Et il restera toujours min al-jinn. Huwa min al-jinn. Allah Ta'ala yaqul fi surat al-kahf. Illa Iblis kana min al-jinn fa fasaqa an amri rabbih. Allah Ta'ala, il nous a précisé que Iblis, il était parmi les djinns. Il était parmi les djinns. L'imam ibn al-Qayyim, il a rassemblé entre les deux paroles, qal Iblis fihi sifatun min sifati al-jinn wa fihi sifatun min sifati al-malaika. Iblis, il avait des critères des djinns. Et il avait d'autres critères en lui de l'malaïka. Il a essayé de rassembler les deux paroles. Mais la parole qui était choisie par les savants, Anna Iblis min al-jinn. Le qawl rajih fi hadihi al-mas'ala, Anna Iblis min al-jinn. Bal yaqulu l'imam ibn Kathir ala ma adkur, qal Iblis huwa aslu al-jinn kama anna Adama huwa aslu al-bashar. Iblis, c'est le père des djinns, comme Adam, c'est le père des êtres humains. وَهَذَا مَسْلَكٌ جَمِيلٌ لَطِيفٌ مِنْ هَذَا الْعَالِمِ الْجَلِيلِ. فَهُنَا اللَّهُ تَعَالَى il donne l'ordre aux anges. Il y a un autre verset. L'explication de ce verset déjà. قَالَ الْعُلَمَاءَ الْمَلَائِكَةُ خَلَقَهَا اللَّهُ مِنْ نُورٍ وَإِبْلِيسِ مِنَ الْجِنِّ خَلَقَهُ مِنْ نَارٍ. Les anges, ils étaient créés par la lumière et les djinns, ils étaient créés par le feu. Et tout le monde, ils sont d'accord que la lumière, elle est mieux que le feu. Idem, quand Allah a donné l'ordre au supérieur, alors celui qui est moins que lui, automatiquement, il doit prosterner. Allah Ta'ala a'ta al-amra lil-a'la. Fa min babi awla an yasjuda. Al-Adna, quand par exemple, le chef d'entreprise, il donne l'ordre au chef personnel, le chef des personnels. Il va lui dire, vous allez faire ça, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Automatiquement, les ouvriers, ils vont suivre. Pourquoi? Parce que là, l'ordre, il est pour le supérieur. Alors celui qui est moins que lui, automatiquement, il doit pratiquer. Ça ne gêne pas de pratiquer. Pourquoi? Parce que son supérieur, il a pratiqué l'ordre. Alors Allah Ta'ala a'ta l'amra lil-a'la. Famin babi awla, lui, il était présent avec eux. Normalement, automatiquement, il doit suivre. Il y a un autre verset qui ne montre que Allah a donné l'ordre aux anges et il a donné l'ordre à Iblis spécialement. Allah Ta'ala a'ta amrahu lil-malaika. Ça veut dire qu'il lui a donné un ordre direct pour lui. Allah Ta'ala yaqulu fi surat al-A'raf wa id qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda id amartuk. Ma mana'aka an tasjuda id
Amartok, Allah Ta'ala, il lui dit, qui t'a empêché de prosterner alors que je t'ai donné un ordre. Alors que je t'ai donné un ordre. Là, ça confirme ce verset, ça montre que Iblis, il a reçu un ordre spécial d'Allah, en dehors de l'ordre qu'il a reçu en présence des anges. فلذلك إبليس ماذا قال؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Regardez, dès la première instant de la création de Adam, Iblis il a déclaré la guerre contre Adam. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, moi je suis mieux que lui. Pourquoi toi tu es mieux que lui? Quel le moi tu m'as crié par le feu et lui tu l'as crié par... Est-ce que le feu, il est mieux que l'argile? Les savants, ils sont rentrés dans ces détails. Ils ont écrit, quelqu'un, il dit ça, il dit ça. Voilà que nous, c'est pas important de connaître est-ce que c'est l'argile mieux que le feu ou bien هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. C'est pas grave. Voilà que moi, le point que je vais préciser, c'est que, regardez, Allah Ta'ala, pourquoi il a donné l'ordre aux anges de prosterner et il a donné l'ordre à Iblis de se prosterner pour Adam. Pourquoi? Limada. قال العلماء الله تعالى أعطى الأمر للملائكة بالسجود ابتلاء لهم واختبار لهم. Allah Ta'ala, il a éprouvé les anges. C'est une épreuve pour les anges. Pourquoi? Parce que les anges, ils ont dit à Allah, « Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima » Les anges, déjà, avant la création de Adam, ils étaient contre. Ils ont dit à Allah, « Tu vas créer quelqu'un, tu vas créer des gens qui vont faire propager la corruption sur terre, qui vont s'entretuer entre eux, qui vont couler leur sang par injustice. » Alors Allah Ta'ala, il a créé Adam et il veut éprouver les anges. Est-ce qu'ils vont respecter l'ordre d'Allah ou bien ils vont refuser? Pourquoi? Parce qu'ils croient qu'ils sont justes. Vraiment, on va prosterner à celui-là qui va faire des choses, qui va propager la corruption sur terre. Non, nous on est mieux que lui. Walakin al-mala'ika la ya'sun Allah ma amarahum. Al-mala'ika, c'est la soumission totale aux ordres d'Allah Azza wa Jalla. وأيضا il a donné l'ordre à Iblis وأعطى الأمر لإبليس بالسجود ليخرج كبره ويظهر عداوته. الله تعالى il a donné l'ordre à Iblis. Pourquoi? Pour que Iblis sorte son orgueil et sa haine et sa désobéissance, il doit apparaître. لأن الله تعالى لا يحاسب عباده بسابق علمه بل يحاسب عباده بأفعالهم بعد أن يفعل الفعل وبعد أن يرتكب المعصية. الله تعالى il savait que Iblis il va refuser, mais Allah il peut, Allah il est juste, il va pas punir Iblis parce qu'il sait qu'il va désobéir. Non, il attend jusqu'à ce qu'il commet le péché. Allah تعالى il sait que telle personne il va commettre le péché et il va mourir sur un péché. Mais Allah Ta'ala, il ne va pas le punir selon son savoir. Non, il attend jusqu'à ce que cette personne commet le péché, et il ne fait pas un repentir, et il meurt sur ce péché. À ce moment-là, Allah Ta'ala, il est juste. « La yuhasibuka bisabiqi ilmih » فَلِذَلِكِ اللَّهِ il sait que Iblis, il va refuser. « وَلَكِنْ il ne veut pas le punir jusqu'à ce qu'il y ait une preuve fatale. » Voilà, quand il a sorti son orgueil, il a montré sa désobéissance à Allah Azza wa Jal. Il a refusé l'ordre d'Allah devant Allah, devant les témoins, les anges. Alors à ce moment-là, Allah Ta'ala yaqulu lah, ukhruj minha mad'ouman madhura. Allah Ta'ala, il l'a chassé du paradis. Allah Ta'ala, il l'a chassé, il l'a écarté de sa miséricorde. Falidalik, adawatu shaytani adawatun qadimatun li Adam. Vraiment, la haine de Iblis contre les êtres humains, c'est une ancienne haine depuis la création de Adam. Wa ma'a dhalik, Allah Ta'ala,
Il a donné l'ordre à notre père Adam. قَالَ لَهُ يَا آدَمُ. Directement. Quand Iblis a refusé de se prosterner, Allah Ta'ala, il va donner un conseil à Adam. قَالَ يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَكَ وَلِزَوْجِكَ. إِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَكَ وَلِزَوْجِكَ. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. Il lui dit, يَا آدَمُ, écoute-moi. Celui-là, c'est ton ennemi, à toi et ton épouse. Alors fais attention. Il cherche à vous sortir du paradis. Il cherche à vous écarter du paradis. Il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas le suivre. Il ne faut pas parler avec lui. C'est ton ennemi. Est-ce que tu fais confiance à ton ennemi? Ya Adam, inna hada aduwwun laka wa li zawjika, fala yukhrijannakuma min al-jannati fatashqa. Quel aussi il te fait sortir du paradis, alors tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Et c'est ça ce qu'on fait. Dans ce bas monde, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ فِي تَعَبْ. Tout le temps des épreuves, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ تَبِّتْنَا عَلَى الدِّينِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. فَلِذَلِكْ الشيطان, il a déclaré la guerre contre les êtres humains depuis la création de Adam. وَمَعَ ذَلِكْ, on trouve des gens qu'ils ont pris Shaitan comme allié, qu'ils ont pris Shaitan comme conseiller, qu'ils ont pris Shaitan comme Dieu et comme Seigneur. Min al-bashar man wada'u aydiyahum fi aydi Shaitan, man ittakhadu Shaitan waliyan, man ittakhadu Shaitan ilahan. Allah Ta'ala yaqulu fi al-Qur'an, afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimin badala. Subhanallah, vous prenez le shaitan comme allié et lui c'est votre ennemi. C'est votre ennemi fatal et vous délaissez Allah Azza wa Jal et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la religion d'Allah Azza wa Jal. Alors c'est quoi ce choix que vous avez fait? C'est quoi ce choix que vous avez fait? Tu préfères mettre tes mains dans les mains de ton ennemi et tu écartes tes mains dans les mains d'Allah Azza wa Jal. Ala ta'qilun, ala tatafakkarun, vous réfléchissez pas. Falidalik, le muslim, il doit faire attention. Il doit faire attention. Il y a un ennemi invisible qui cherche à te bloquer le chemin d'Allah. Mada qala Iblis, lamma taradahu Allahu min rahmatih. Qala fabima aghwaytani, la aq'udanna lahum siratakal al-mustaqim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Iblis, quand il était chassé, quand il était puni par Allah directement, il a juré au nom d'Allah, il a juré par la puissance d'Allah. Il dit, ya Allah, wallah, je vais les égarer tous, je vais venir par devant, je vais essayer de les appeler par derrière, à droite et à gauche, et au uqsimu billah, tu vas jamais trouver des gens reconnaissants envers toi. Je vais les égarer, je vais les bloquer, je vais les empêcher de te remercier et de t'adorer à Allah. Inch'Allah Azza wa Jalla, on va s'arrêter là, et demain on va continuer toujours de parler sur al-shaytan et sur les pièges, les ruisses de shaytan, les ruisseaux, masa'id al-shaytan, maka'id al-shaytan, pour qu'on fait attention. On ouvre les yeux et le musulman, il ouvre son cœur. Les anna shaitan, il ne te laissera jamais. Même pendant la prière, il vient te déranger. Il ibn Abbas. Ibn Abbas, ils l'ont posé la question, radiyallahu anhu. Ils l'ont dit, qalu lahu ibn Abbas, limada la yuwaswisu shaitan lil yahud wal mushrikina fi ibadatihim. Kallu. Ibn Abbas, pourquoi Shaitan il dérange pas les juifs, les associateurs dans leur acte d'adoration? Pourquoi il vient chercher les musulmans? Pourquoi il vient à la mosquée chercher les musulmans? Faqala lahu Ibn Abbas, wa hal ash-shaytan yuwaswisu lish-shaytan? Est-ce que vous avez jamais vu un diable qui dérange un autre diable? Il va pas le déranger. C'est son ami, c'est son copain, c'est son allié. La yuwaswisu shaitan li shaitan.
ولكن الشيطان يوسوس للمؤمنين si tes croyants étaient dans le chemin d'Allah et tu suis Allah et tu es en train de continuer de lutter pour gagner la miséricorde d'Allah, c'est toi son ennemi, c'est pas lui, c'est pas l'autre son ennemi. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن شاء الله يا إنفان. Il a demandé le dua. Son fils, il a fait un accident. Alhamdulillah, il est sorti sain et sauf. Fallahumma ya, il a ramené une sadaqa pour la mosquée. Allahumma barik fiha. Wa taqabbal sadaqataha. Wa ahfad awladaha. Allahumma ahfadhum min al-afat. Allahumma ahfadhum min al-shurur. Allahumma ahfadhum min al-masa'im. Ya Rabbal Alameen. Wa ahfad jami' awlad al-muslimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun al-mursaleen. Walhamdulillahi rabbil alameen.